Est-ce que vous considérez que l'arrivée de Félix Tshisekedi au sommet de l'État est le parachèvement du combat de son père, ou si vous voulez, le prix que le combat de son père a payé? Ce qu'il a pris de son père, c'est peut-être est devenu pour lui un slogan. Mais dans la réalité, et j'ai le regret de vous dire que ce n'est pas ce que nous ressentons. Mmh. Oui. Donc le père n'est pas le fils. Non, non. Moi, je dirais même que c'est le jour et la nuit. Ah bon? Oui. Nali Kamouni. J'ai connu le père. Nali Kamouni. Nous allons en parler, non? Il est parmi les acteurs qui ont marqué la vie politique de ce pays, l'histoire politique du pays. C'était, on l'appelait toujours l'opposant éternel, mais je crois que il était opposant puisqu'il luttait pour des valeurs. Ces valeurs, c'est notamment la démocratie, l'établissement de l'état de droit. Ce sont là les credos de sa lutte. Et il a commencé sa lutte déjà pendant la Deuxième République, pendant la période du parti-État, où nous vivions un régime monolithique. Et n'ayons pas peur de le dire, où nous étions en train de vivre dans le totalitarisme qu'avait installé le maréchal Mobutu dans le pays. Voilà. Très bien. Vous l'avez côtoyé? Je l'ai côtoyé surtout du temps où on parlait. Parce que Biso Tozalaki. Les Rwanda Tuzana n'ont vraiment bilingué. Les jeunes turcs, c'est vous. Bah, jeunes turcs au Bazaki na conférence nationale souveraine. Les Rwanda Tuzala qui au Babengi pe les lo bazo bengango union sacrée pour la nation. Union sacrée de la nation. Non, biso tozo bandaki union sacrée. Mais biso bandaki ndenge à l'élote. Na les Rwanda pot basa la union sacrée Babengi saki ba parti nyonso. Oyo bazako se reconnaître de l'opposition radicale. Bayela Kibiso Oyo Babengi projet ya charte ya union sacrée avant tout Totia Tolobao union sacrée et bandit. Tokendeki, il y avait un projet na salle du zoo. Oyebi salle Oya zoo Oyezaka kote na simazan de monene wana. Tokendaka kuna avenue Kasavu. Ouais, batu nyonso bazalaki kuna. Papa Tshisekedi azalaki na baninga na ye neti papa Liaou, papa Kibasa, Bambwa Kiem, etc. Bayaki pona ko représenter parti na bango. Ngunz Karlibon pe azalaki na batu na ye. Papa Ileo azalaki wana na batu na ye. Ezalaki tobandaki réunion wana na kanisi ebandaki na ba 16h pambate. Il fallait projet wana ya charte. Et elle a examiné et adopté, c'est-à-dire que Batunyon Sobazwa qui copie à projet Wana, il fallait baya que ça là-bas amendement na bango. Tout à fait. To amender l'air to aussi ça qui n'a boutou ma casse si pensa n'a si to aussi ça qui n'a pas 22h. Parce qu'il fallait bas amendement, bas intervention, débat et coti. Tu as adopté un article par article, tu n'as pas dit que tu as dit que tu proclamais que tu as créé l'union sacrée de l'opposition radicale. Alors, il sort. Quel est le rôle particulier que Étienne Tshisekedi a joué dans cette union sacrée des années 90?
des années 90, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi d'abord, Azaki n'a parti monnaie non babengi UDPS. Azaki n'a directoire il y a UDPS. Tout à fait. Ozaki composé na 4 personnes, Boyebi Yango. Et puis Azalaki n'a parti Oyo Azalaki ko zala lokola faire de lance. Non seulement faire de lance mais sortir à leadership. OK. Hein? Na kati ya union sacrée puisque Ezaki ba parti Oyo Azalaki vraiment liboso na kati ya union sacrée. Ezalaki UDPS. Ezalaki Uferi Yangunz. Ezalaki PDC. Ya papa Iléo. Bon, batupe bazalaki kuna ezalaki pe FCN. Hein, Front commun des nationalistes. Oya bakamanda. Maître Kinkela. Non. Ba maître Kinkela bango bayaki union sacrée. Ah, maître Kinkela bazaki na Front G14. Non, G14 wana nano ibandite. G14 wana kamba mikolo. Hein? Mais bazalaki la conférence, non? Ouais. Mais bakinkela bazaki na ba allié à union sacrée. OK. Bazaki na mouvement na bango. C'était pas le front commun. Non. D'accord. Ezalaki Front uni de l'opposition. Ah, voilà, c'est ça. Front uni de l'opposition. Avec le front commun. Ouais, ezalaki Front uni de l'opposition. Voilà. On ezalaki ba maître Kinkela. Nande konabiso docteur Kabamba, hein, Front uni de mais Zaki Kakabangote, bango parti na bango, Zaki Front patriotique. Bon, nous parlons de Étienne Tshisekedi. Quel est le rôle fondamental qu'il a joué? Le rôle fondamental, c'est-à-dire que en tant qu'opposant historique, Nakati a union sacrée, il donnait de la voix, il était toujours entendu, parce que la plupart des gens qui étaient dans les partis, qui étaient venus dans l'union sacrée, c'était aussi des transfuges. Hein? Du MPR. Quoique lui-même qui en était fondateur. En était un des cofondateurs. Un des cofondateurs avec Tsinga Oudjou, avec l'histoire de machin de l'Anselé. Manifeste de l'Anselé. Bon. Mais parmi les gens qui ont quitté avec qui ont adressé une lettre ouverte des 13 parlementaires. Aza parmi les 13 parlementaires. Il était parmi les 13 parlementaires, il y a eu des défections, mais lui, il était parmi ceux qui ont résisté dans le cadre de ce que j'appelle le front, effectivement, la fronde des 13 parlementaires. À ce titre-là, donc, il était quand même une voix très écoutée. Alors, au sein le gouvernement de cette union sacrée, c'était que Tshisekedi, à la fin, a mis premier ministre. C'était ça, ouais. C'était le gouvernement. Nazoya, parce que l'air moussous, il faut qu'on rappelle dans la jeunesse, histoire est un beau canabison d'engue et les kaki. Batouana, Batmingi, les lobes jeunes Mingi, l'air tous à la conférence nationale, Bazaki n'a pas beau tamité. Alors, il faut qu'on rappelle, en gros, c'est très important. Et, effectivement, surtout, nous, les jeunes Turcs, nous avons soutenu avant tout Étienne Tshisekedi pour le rôle historique qu'il a joué dans le cadre de l'opposition au régime du parti-État. Très bien. Donc, nous l'avons soutenu et nous avons créé ce qu'on appelle une dynamique au sein de la Conférence nationale souveraine. Je me rappelle que le jour de l'élection du Premier ministre, tout le pays n'a pas dormi. Bien sûr. On a attendu les résultats. Nous avons veillé. Oui. Les gens ont veillé. Ouais. On a attendu les résultats. Jusque dans les petites heures du matin. Aux petites heures, vers 4h30, tout je à crois. Fait, tout à fait. Je me rappelle quand on quittait la. Puisque j'étais parmi les délégués de mon parti à la Conférence nationale souveraine, l'air Tobima Kinasal. Pose Wanzela Obima. Nzele Zate. Batouba Tondi. Batouba Outina Cité. Batondi Libanda à Palais du Peuple. Moyen à Kobimezate. Mais en tout cas, et puis, il y avait une ferveur populaire incroyable. Ezaki Somo. Alors, mais alors si le rôle, le rôle chef qu'il a joué, ouais. C'est surtout. Le rôle qu'il a joué, c'est surtout mettre dans la tête des Congolais le fait qu'il faut résister d'abord. Au régime du parti État qui était un régime totalitaire. La résistance. Pourquoi? Parce que il tenait à ce que l'on puisse installer
une démocratie dans notre pays. Pas n'importe quelle démocratie, une démocratie pluraliste. Mm. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs partis. Hein? Et ensuite, l'établissement de l'état de droit. Okay. Hein? Mm. Ça, c'était son combat acharné. Mm. Hein? Mm. L'établissement de l'état de droit. Mm. Nous lui devons ça. Alors, une dernière question pour Nayon de Lugendo. Lelo, moi, Nanaé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir. Et il est toujours en train de brandir les deux éléments que vous venez de citer en dernier lieu. L'établissement de la démocratie et l'état de droit. Est-ce que vous considérez que l'arrivée de Félix Tshisekedi au sommet de l'État est le parachèvement du combat de son père, ou si vous voulez, le prix que le combat de son père a payé? Ce qu'il a pris de son père, c'est peut-être, est devenu pour lui un slogan. Mais dans la réalité, et j'ai le regret de vous dire que ce n'est pas ce que nous ressentons. Mmh. Oui. Donc le père n'est pas le fils. Non, non. C'est, moi je dirais même que c'est le jour et la nuit. Ah bon? Oui. Nali Kamouni. J'ai connu le père. Nali Kamouni. Nous allons en parler, non? Nous sommes là. Vient de faire son entrée il y a quelques instants dans ce plateau. Ndeko Bamanaï Mbotenayo. Et salut-moi, Mikolo Kimimiso, Batuninga Mini Babi. Et l'engue Mobalu à l'Obaramala, Mouana, Azana Souki à Pembe le roi Bomboko. Azomola a souté. Et ça m'a été. Baébi Koza a souki à Pembe à Bomboko. Merci. Ndeko Zongi, au salut des semaines, Azomola a été. Tosepe Naboye Inayo. Nalomba Openza, Papa Tshisekedi, tous a célébré 4e anniversaire à Luana et Lelo. Okuti Maloba, et pas Yakulutunayo, de Konayo, Oscar Lugendo, Oazalaka, un des anciens ministres de la période Ouana. Il a été ministre dans les années 90 à l'issue de la tractation en conférence nationale. Olandi Mouke, pour Abanda qui avant rien. Yo, Oza et Lenge. Oye, il y a une histoire, il y a papa Tshisekedi na ndenge na yo. Mais, na mwanda mbo yebi, na mwanda mbo yoka, na omona, na oyo ki mwa sikoyo, po na yo etin Tshisekedi azaranani. Merci beaucoup, Ndeko Jean-Claude, na bandina na kopesa yo mote, pe na kore merci pour encore une énième invitation, yo kopesa ngayi na kate sikoyo. Na zate ko saluer la présence, ya mon co-débateur qui est mon aîné. Oscar Lugendo, qui est un modèle aussi, je vais dire, ma bibliothèque autoko ko consulter na makambo moi et belé, puisque na landi tout à l'heure tant qu'azako brosser situation na monique de lui, même si je ne suis pas totalement d'accord na Oyonyon Sawoti Kolbarakat ainsi comme il y a quand même de bonnes choses à tirer, nous allons y revenir. Et que l'occasion me soit permis, na pesa na bande ko nyonso oyo bavandi na kati na banda ko na bango liboso ya baitando na bango ike koluka kolanda pe ko manyula to ko sosola moi contribution to bo memindambo yo nazali ko mema na kati na siko elongo na kulutu na ngai Oscar Lugendo, na remercier ndeko na biso ki bambi chitwa oyo ache instrument et d'aller permettre que tout le monde soit la Congo, la Katine Sikoyo, Tika Pena remercier Nzambo à Pessibis au souffle de vie, Kobanda année à Sika qu'on traversait, moi à janvier, Kokota en février, Tosu Yangon à ma cacité, Naba peuple congolais, Nyonso, Oyo Baza toujours Neli Kake, Nzambo Tosali Kobelela, Azali capable de changer la situation en Boko, Nengali Kokenena Yangon Malembe Malembe, je vous remercie. Alors, la Katine Sikoyo, na lingina lo baete soki totali ata na kati ya Bible eza na période nzambe atombolaka prophète moko pour une mission donnée lelo ezali mokolo tozali ko célébrer bongo liwaya kondo Etienne Tshisekedi le 1er février. Est-ce que sengeli tobenga Etienne Tshisekedi de triste mémoire ou d'heureuse mémoire?
La réponse est sans appel. Et tiens, c'est que d'heureuse mémoire. Puisque papa Oyo, apprendre Bissot comment se prendre en charge, comment un peuple peut se lever, comment le peuple peut se lever pour revendiquer Oyezali qu'on revenir, il y a des droits. À la question de ce que comment il y a la constitution, et comment il non seulement pour les dirigeants, mais aussi pour les diriger. Puisque le dirigeant est bon, il est basé sur la constitution, basé sur ce qu'on appelle une lecture sélective. Oye zali malamu pona bango bazui. Oye zali na intérêt ba peuple ba gomé yango. Olingo salaboye ba bimisele bino mindu ki na kati anzela. Ngai oyo nazali koloba na yo. Vers les années, je crois 91 92 si je ne m'abuse pas, tango bakangaka conférence nationale souveraine. Je pense que je venais de totaliser à peine 20 ans. Na bima, tu bima na basango na église côté ya Kinshasa ni kuna tozali koya. Toza ko obligé ba fongo la conférence. La marche du 16 février. Na, voilà 16 février. Nonande. Nde mokolo ngala ngana tika bomoyi na ngai. Place wana. Toza koya tozaki na ba abbé ya ba église ya ba Saint-Marc ya ba tout ce que vous connaissez là. Sainte-Croix, Mama Bossawa et tout ça. To komi na niveau ya mayi moko ezali avant ya komata Pascal. Tozala kina ba bébé, tozala kina papa moko pe na ebi malu ntumba, je ne sais pas ce qu'a za envie. Ba les oua ka yengana zala ki a kote na eba kata ye lokolo. Donc, bal moussou se zi de personnes zala ki pene nanga ba kweya. Puisque bato ba yaki, balate ki matiti nan zoto. Bazo ki tena ba bisa koaster. Bazala ki soki ba ye ba retire ba prêtre. Or biso ba pesa ki biso stratégie ke soki ba ye bo fukami, bo tche maboko likolo. Mais soki ba prêtre ba longwe. Onyo so batika leza ki ya kurafale. Na yeba katende ngeni na bima bomoi, na nda kupe ba yeba kite pa inakendaki. Ide peso ya ngayi oyo nga nazwa ezala ki état d'esprit. Ezala ki ide peso kome moto ya kokota boite men, nazala ki nakati ya filosofi ya papa Etienne Tshisekedi oyo azali model oyo alita na moma oyo le monolithisme. Donc toloba l'autocratie, la dictature rigide. Ya maréchal Mobutu zaiko tambola na kati ya mboko tata wana beta mafimbo tata wana abrandisa ba menace ya ndenge na ndenge abrava pardon ba menace ya ndenge na ndenge ya fait maréchal Mobutu mais ce que je aimais dans cette personne il n'était pas impoli azala ki na lutte na ye ezala ki lutte ya bosolo lutte ya respect mais lutte ya ko permettre n'importe quoi te. Pour preuve, tant que fait maréchal Mobutu a signé que l'ordonnance a nommé, tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez papa, si combat avez dit que vous avez démocratie, alors je suis vraiment d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Puisque vous avez dit que vous avez dit parti étaté, vous avez dit multipartisme. Alors il a fallu que. Vous savez la légiférende, hein? Donc la légifération de Konanga Zali Ayebiango. Donc il ne faut pas et s'adapter à Kanaba événement et à moment. Okay. Il ne faut pas besoin. Vous comprenez? Vous comprenez, il faut pas qu'on soit bamakambo et les kana quoi adapter yango bamakambo et komi asika quoi adapter yango la constitution est déjà obsolète. Merci. Alors. Merci. Mais il conclut. Mingi ya koloba ezala kebele. Alors nakoshite m'a rencontré moke ndeko nangai kulutu nangai Oscar Lugendo pona koloba ke. Pona ko répondre na wazali koloba ke. Félix était Tshisekedi, c'est la nuit et le jour entre Yé et Papa Naye. Il a dit le ça, père, vraiment, le fils n'est pas le père. Ça vraiment, Nazako Senga, qui est faculté à droit et à médecine. Et pas faculté, pardon, à médecine, il y a université à Kinshasa, et encore avec l'équipe, même à produire, bisous, médecins, surtout lesquels de médecins, ophtalmologues. Pour tout le monde. Vous savez, lorsqu'on a l'esprit partisan, et ça passe pour ne melo comme ça avec ça là tant on de ko Félix a bisi biso qui va déboulonner to ka kin de ko Martin Fayulu ko jamais ya zana Kabila na problème na ngeza lite na za contre Félix te mais na za contre le fait kazana Kabila aujourd'hui que Félix a longwe na nzela ya Kabila c'est toujours et ça ba gêne bango alors je ne sais pas mo kolonini bango ba komona ke ndeko yo azali ko sala musalo esengeli et ke azali ko tambola vraiment na ba nzela ya papa na ye pe a ce jour là viendra donc faut être patient améliorer yango mais na za patient na ye bi ke la Bible dit que les barbares changèrent de langage. Un jour, les barbares changeront de langage et ils diront, ils confesseront que Félix
avait une mission de faire sortir ce pays dans les bourbiers et pas Yoapi, les 18 ans de triste mémoire et même à Kiyangwa. J'ai dit. Ça dépend où se trouvent les barbares. Voilà, je suis même arrivé. Permettez, je ne vais pas aller dans ces débats-là. Ndeko Bélessi, Jean-Pierre, il y a PPRD, assis à côté, il a annoncé que nous n'avons pas de Nanzela. On n'a plus de temps à perdre, on va aller vite avec vous. Motena on a nous. Et puis, Papa Tshisekedi toujours célébré 4 ans, il y a Liwana El Lelo. Ponaïo, jeune Congolais intellectuel, juriste et tout ça, comme lui aussi. Ce monsieur vous inspire quoi? Il représente quoi? Ponaïo, Papa Wana. Ndeko Jisse na Pesio Maton Dimingi. Et puis na ko s'excuser, je vais m'excuser justement pour cet état parce que Webi. Mbokanabiso amteje leki nazaki déjà na nzela ou il eri wana bouchon moza wana kosalana te na sa force na se forcer pona koma et puis na kosenga bolimbi na batele spectateur na biso pona se petit retard mais na olinga pe na pesa ba ko débattre na ngasi se plateau mbote na sina kuta de na maître je pense que deux fois papa c'est pour la première fois. Donc c'est un plaisir pour moi celui de parler. Celui que vous appelez papa s'appelle Oscar Lougenou, un ancien ministre papa, de ce pays. Oui, papa Oscar, en tout cas je suis très très ravi à partager. À l'extrême gauche, c'est votre confrère oui, Eric Bamanay. Je sais, monsieur Eric. Donc c'est un plaisir pour moi à partager la bango en tout cas plateau à Lelo. En fait, pour nous revenir à la question que tu posais, c'est pour na, le fait papa Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Je pense qu'il faut aller reconnaître. Il faut le reconnaître, moi je suis un rationnel, c'est un homme qui a mené la lutte. La lutte pour l'instauration de la démocratie. Même ceux qui ont la lutte pacifique, hein, parce non, violent. Non violente. Donc, ils ont la lutte quand même et participent à un affaiblissement et à la dictature. Il faut reconnaître que non. En tout cas, la dictature mouboussienne, ils ont pratiquement 32 ans, si je ne me trompe pas. Et en tout cas, il faut que Ming, c'est là qui m'a pour déboulonner ça, il a fallu qu'il y ait plusieurs forces, notamment force interne, force extérieure, pour nous voir comment on peut changer cela. Donc pour moi, il représente justement la lutte pour la démocratie, même si c'est là qui est théorique, parce que la lutte pour la démocratie, il faut de la pratique. Il y a un moment donné, il y a des filles et des fils de ces pays qui avaient pris les armes. Pour nous, en tout cas, faire par tous les moyens, pour la dictature, quand il y a un bon cannabis, pour que toi, si c'est dans l'avènement de la démocratie. Et heureusement, aujourd'hui, il y a un homme qui s'appelle Joseph Kabila Kabange, qui, on peut tout dire, n'est-ce pas? Ça, c'est la vérité, on peut tout dire. Il a quand même participé, peut pas même participer à concrétiser, n'est-ce pas, la lutte. Il y a instauration démocratique. Parce que, même si aujourd'hui, le fait, Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, le fait Laurent Désiré Kabila, parce que dans cette même logique-là. Mais c'était une logique qui était. Donc, qui était en gros théorique. Et quand tu as dit que parce que la démocratie, il faut palper. La démocratie, c'est vraiment pas mal. Parce que même dans l'État, il y a beaucoup de gens qui ont fait la démocratie à la Mouboussienne. Hein? Mais il y a un débutant. Hein? Il y a rouge et navet. C'est-à-dire que si on dit rouge, donc. Hein? Mais le lot doit assister vraiment à vrai, malgré que démocratie en gros, hein, parce que démocratie, oui, c'est un idéal. L'idéal va atteindre en gros facilement. Au fur et à mesure, on progresse, au fur et à mesure, tout est la faiblesse, au fur et à mesure, tout le monde là où il faut arranger. Alors, donc, revenons sur l'homme qui s'est dit. Je reviens justement, on va revenir sur lui. C'est sur lui. Je suis dans le raisonnement, non? Alors, et on a vu que non, c'est un homme qui a quand même participé dans l'histoire, il y a un bon cannabis, malgré que. Il a aussi un côté sombre, il faut le reconnaître, parce que tout homme n'a pas que des côtés négatifs, pas des positifs, il a aussi un côté négatif, notamment lorsqu'on a assisté à Makambouyeba, lorsqu'il était ministre intérieur à l'époque, vous vous souvenez la manière dont non, on avait parlé. Je ne me souviens pas, je n'étais pas encore né. Ah, c'est vrai ça, c'est de l'histoire de notre pays, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous avons quasiment parce que nous sommes à Koufi, nous sommes à Benemingi, et ça, là, qui est au côté. Mais sinon, du point de vue, lutte, parce que tout le monde lutte, parce que beaucoup on a besoin que non, la vraie démocratie est s'installée. Donc il a participé, je pense que je vais reprendre ça, il a participé dans la concrétisation, dans la lutte, il y a démocratie à Mokanabisson. Donc d'un côté, il y a des timings parce que, oui, Mokanabisson. Dernière question, est-ce que l'arrivée au pouvoir de son fils manifeste-t-il ou consacre-t-il le couronnement ou le parachèvement de la lutte politique de son père. Est-ce que vous prenez ça comme ça?
Non, je n'ai pas ça comme ça, parce que la démocratie, il y a un homme qui a participé en concrétisation de la démocratie, c'est Joseph Kabila, qui, en tout cas, on peut tout dire, il a fait en sorte que les gouvernants soient, en tout cas, votés par les gouvernés. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la vraie démocratie, toujours bas, parce que dans la démocratie, il y a trois éléments. Ils ont la très important. Et le plus important, l'élection, il y a le gouvernant. Vous voyez? Et ceux qui, les lots, ils ont assisté à l'apparachement de l'autre côté, il y a une concrétisation, il y a au sommet de l'État, justement, c'est parce que les conditions ont été réunies dans l'instauration, soit dans le passage, il y a les lots que vous pouvez postuler. Et que, en tout cas, si le peuple décide d'agrouper sa pouvoir, si on peut occuper mon conseil. Donc, c'est vrai que Ndeko Tshisekedi n'est pas vraiment totalement dans la logique de son père. Très bien. Parce que, ce que Tali a acte, je pense que même du point de vue, il y a démocratie, donc ça en est recul. Très bien, merci. Non, je suis pas. Oui, je suis pas. Parce que, en tout cas, nous constatons par ailleurs. Que, en tout cas, toutes les règles du droit sont bafouées. Je dis bien, toutes les règles du droit sont bafouées. La Constitution. Merci. Non, mon cher ministre, pardon, je termine. La Constitution, elle n'est plus respectée. Donc, les règlements de l'intérieur n'est plus respectée. Donc, les lois de la République ne sont plus respectées. Vous sentez que, au lieu que tout avance. Je sais que Koloubé Laon a exigé au tesoir. D'accord, donc, oui. Donc, gagnons du temps. Ça, c'était juste un coup de projecteur. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur monsieur Lugendo. Nekolugendo, Lelo, on a parlé du peuple. Déjà, tu as tout le monde campagne, même dans la ville où on est aux alliés, tout le monde va pancarte, déjà, va candidat dans le perchoir. Lelo, va démarrer campagne pour et aussi la mercredi. Mais moi, ma question est alliée. Oh, tu vas au Luba. Non, profiter de tout le monde, moi, pour nous, ça, sous milité. Tout le monde est papa Mboso, Oazali, président du bureau d'âge, qui est censé organiser les élections pour installer les bureaux définitifs, il n'est pas un candidat. Tout le monde est Jean-Marc Kabound, Oazala, qui est vice-président du bureau, et Koyaki Amabunda, Azongi sous candidat. Tout le monde est perdu, il a postulé notamment des gens qui sont dans la Landie, et Léonaton, la RFI, il a retiré, il a candidaturé. Nande Koko Niangi, il a fait vidéo sur Internet, il a candidaturé. Alors, bref, déroulement, il y a organisation, il y a bureau en haut. La logique, selon certaines langues, Babine de Komboso ne devait pas postuler. Kendeko Jean-Marc Kabunda, comme il a été déjà désavoué dans le bureau Eleki, en principe, sur la même assemblée, changée, à quoi il peut postuler sous Sangisa biloko na nso pesa na yalo omoni mapona miango kuna na palais de la nation ezokende d'abord mapona miango to tikalika na 15 minutes donc chacun de vous doit être méticuleux dans sa prise de parole ozana na 3 minutes na réponse wana et puis allez-y rapidement na kozala na kolukana za la synthétique tout à fait na lobby o ezo le kana palais du peuple par rapport à élection wana eza déni de démocratie ngolo bani na lingala. Déni de démocratie, c'est-à-dire, on dirait que Tozongi Simatoboi, Tokende Liboso, na cadre, il y a qu'on consolider démocratie. Mm-hmm. C'est-à-dire, déni de démocratie, c'est-à-dire qu'on boya démocratie. Nandengeni, y a Liboso, ndeko président y a bureau d'âge. Yo yebi ke yo moko za candidat. Yomo un organisateur. Yomoko organisateur. Elingi Kolobani. Eza lokola président ya CENI, soka zaki na possibilité, ye peza la candidat président. Juge parti. Juge est parti. Makambo yango ekoleka ndenge nini. Ngana kanisi que papa Mboso azaki na possibilité ya koloba lokola ngai pe na za candidat na ko se déporter. C'est-à-dire na longwe na bureau d'âge. Na bureau d'âge, bakamati ata vice doyen ya assemblée balobi yo dirige makambo. Yo za candidate yo banda ko dirige makambo ya processus électoral ya bureau définitif. Okay. Wana eloko ya Liboso. Ya mi balé.
papa, kaka assemblée Oyo, nde lobaki, to révoqué Jean-Marc Kabound. Tolingi et lissou na bureauté. Boni, boni, ataye mon compte de Jean-Marc Kabound. Aza la peine à moi dignité. Eza lokola, ozalaki, directeur d'entreprise Songolo. Entreprise, on va révoquer. Après, on va pour remplacer, tout ça, appelle la candidature. Yo pe oza la candidat. Entreprise, on a pensé, on va non, to valider candidature. Naye. Peut-être que ce n'est pas le lingam abe. Non! Ah oui? Mais dans le lobby, ce qui boutique kaka bolobi, yende a commis premier vice-président. Ça, c'est déshonorer l'Assemblée. C'est déshonorer l'Assemblée. Lorsque, beaucoup de candidats ont été gênés, le mandat n'est plus impératif. Alors que Zouaki a valé à partir d'Ayoté. Mais le mandat est impératif. Il doit être impératif à tout moment. Et à tous les niveaux. Boni, boni, au Kolongola, Moutouazaki, candidat au lobby, oh non, il n'a pas eu l'aval de son parti. Il n'a pas eu l'aval de son regroupement. L'air Bozaki, qu'on dit, Mabango, dans l'Union Sacrée. Vous assure que Bayaki n'a. Nanini na mandat, il y a parti ou bien un regroupement na bango. Et là, on a linga ki na loba. C'est-à-dire, wana tokomi ko sala sikoyo théâtralisation. Il y a vie politique na kati ya mboko. Eza mabe. Ingoloba ke biro c'est ça la bango. Biro c'est ça la bango. Ba mususu na yo ki balobi, ndenge nini yo komi candidat wa kokoza la candidat wa te parce que tu ne fais pas partie de la majorité. Oh. Et où t'as wapi? Et où t'as wapi? Mais le quoi la vous assure la majorité nabino, même ceux qui attirent. Botika est capté. Abunda. Puisque vous assure qu'il y a Kopola. Problème est zawapi. Et le quoi na linga kina loba na makambo élection yo et angoana. Tosalari. Elikianini peuple facha l'élection. Na lobi hein. Elikianini. Ezali mascarade. Ezali recul démocratique. Tozongi sima na kati ya démocratie. Dozati nate. Mais ngana moni hein, solution ezali kaka basala ba vote par applaudissement. Comme ça toza tranquille. Très bien. Ndeko bamana yo za pena 3 minutes na yo, même question au répondre. 11h21 minutes. Donc on a 24 plus tard de fondation. Très bien. Merci beaucoup. Nalandi Kulut Nabiso Oscar Lugendo avec beaucoup d'attention. Et là, on a lingi kakana loba awawa, que nous ne sommes pas venus ici pour continuer ce que les autres ont eu à faire. Sous le régime de Joseph Kabila de triste mémoire, avec tout ce que nous avons connu, que mon frère que j'aime bien me supporte aujourd'hui, puisque aujourd'hui je me suis décidé de ne pas porter des gants. En tout cas, aujourd'hui j'enlève mes gants. Ok. Hein, qu'il me supporte. Mais... Exagère, soyons élégants. Qu'il me supporte. Quand j'ai dit Kabila de triste mémoire, ce monsieur n'a rien de bon qu'il a laissé dans s'il vous plaît, maître, répondez à quand ce monsieur part, au lieu de construire ne fût-ce qu'un palais présidentiel, il préfère aller construire Kingakati. Ce qu'on appelle state house dans ce pays n'existe plus. Toutes les maisons de l'État ont été demandées. Alors, ce n'était qu'une parenthèse que j'avais ouverte. Ça va faire un peu mal, mais il faut un peu de dipyrone qui chauffe un peu là. Une petite piqûre de dipyrone. Aujourd'hui, je ne vous reconnais pas. Non, oui, aujourd'hui, je m'étais dit que je vais crever un peu les abcès. D'accord. Ok, vous avez la parole. Si abcès il y a. Alors, je rentre dans ce que venait de défendre tantôt, de soutenir tantôt mon aîné ici, Oscar Lugendo, et pour dire que c'est vrai, Oya Lobby,
que ekoki ko sala mate ba élection na que le peuple ba espérer ne loko moko te za mascarade. Vous savez, dans la vie, nous ne devons pas être seulement de ceux-là qui se limitent seulement à critiquer. Mais nous devons être de ceux-là qui posent le problème, mais qui proposent aussi la voie de sortie ou la solution, si vous voulez bien le remède. Nos frères de Lamouka aujourd'hui, Lamouka elle dure, Martin Fayoulou, associé à ceux-là de l'FCC déchiqueté et resté à miettes, en lambeaux, ils ont la même façon de voir les choses. C'est le même langage, c'est le même discours. C'est de bonnes guerres. Hein? Alors, le temps passe, mais moi, tu as le bâti. Alors, et le conalingi koloba, c'est vrai. Jean-Marc Akenda. Tu gagnes 30 secondes. Jean-Marc Akenda, Akenda qui est dans quelles conditions? Est-ce que depuis que Jean-Marc Akenda n'est pas longo laki, qui l'a remplacé? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Donc, poste n'est toujours vacant. Tout à fait. Alors, moi, je ne vois pas. Ma Benini Oyo Jean-Marc Lelo Soka Zongi et que ba élection Oyo Topé Nani, comment on appelle ça? Déchéance au basala qui sur yé n'est pas désavoué qui est Kolongo Layoana et ça la maquina ba condition bisona yo to yé bien ou très bien et que Lelo yo chacun de députés, des élus du peuple Bazakuna Batali Babinono, to kenda qui est fait trop vite en besogne si nde kwako yko ya puisque toko considéré que ti Lelo Jean-Marc a expédié à les affaires courantes. Mais Tokuta Babiro n'a pas été remplacé. Oui, il n'a jamais été remplacé. Tokuta Babiro n'a pas été. Alors, si Jean-Marc revient encore pour que Ako Kakozo encore a bénéficié de la confiance de Eliouana, tout ce qui va mettre à l'épreuve. Oui, tout ce qui va Eliouana. Il y a aussi ton Bengana Kyo. Pourquoi tu reviens encore? Ndeko. Kamboso Siko. Mboso. Nalingi na fongola moi parenthèse, mais avec beaucoup de réserve. Papa Ntsingi, oui, Azalaka président ya bureau d'âge. Yipi mouta organisa ka ba élection te. A organisa ka yango. Mais à la seule différence que Azalaki candidate. Mais est-ce que le loko lande ko mboso kodi ampuanga Azali ko organise ba élection et que yé pas Azali candidat? Y a-t-il une disposition de la loi qui l'empêche de le faire? Si cette disposition est là, bande ko ba pesa biso yango. Est-ce que le règlement intérêt est pekisi? Et pekisi yango. Ce que pekisi yango te. Na monite loko ni bako benga mascarade tout ce que vous voulez. C'est que la loi n'a pas interdit. Est permis. C'est une question d'élégance, papa. Non. Nous sommes des légalistes. Moi, j'aimerais que nous puissions utiliser. Nous ne devons pas parler ici comme des sociologues. Est-ce qu'on met un livre basé sur quoi avant de faire FCC, bah présenter bah babo Jean Kimbunda, babo Iko Konyangi, kahabo. Bonne. Aujourd'hui, justifiant on est. Kokonyangi a rempli le critère Mokosongolote. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas prévu par le règlement intérieur non plus. Ces critères-là ne sont pas prévus par le règlement intérieur. Bon. Voilà. Alors, c'est la réponse du berger à la bergère. Alors, bon permettre ngai Koulout Nangai Oscar à permettre ngai na chité. Donc na Kolobake, il y a une commission mise en place. Où est Ali Bongo? Commission monolithique. Tolérance, s'il vous plaît, pour le travail. Oui, ils allaient cotamiser. Donc, ce qu'on y a, les canines à Mouyungu, le bataille, tete, oui, ils ont ma bakouna, d'autres ont la batanga aussi, non, bah, éjecter, yo, bah, bimissu, yo, di banda. Donc, il faut qu'on supporte, en gros, ce sont les merci, maître. Mais, comme si, aux armes, on va 3 minutes, pour répondre à la question. Merci Mingi Ndekojise Namutuna Nayo. Je pense que Lelo, je ne reconnais plus mon frère. Il est totalement à côté Lelo et puis ça me fait très mal. Parce que lorsqu'il parle, il sentra vraiment qu'il y a quelqu'un qui. Lelo, on dit qu'il est dans la difficulté à répondre à la question. Je sais.
Et je comprends que c'est vrai que Ayebina Katine qui m'a gambo sur les amabé, mais il n'a pas le courage de les dénoncer parce que Zana Kassongo to pas. Je vais faire un point de vue. Exactement, je viens, je sais. Omoni mon ami il faut tout ça là ndé baloba en français, la promotion a ba valeur. Pas tout ça la promotion ba antivaleur. Oyebi parmi les sources de droit, je pense que toi tu es un juriste, l'éthique, n'est-ce pas, fait partie de ma source de droit. L'éthique morale. L'équité. Bien sûr, même éthique, c'est presque la même chose. Un synonyme. Éthique, équité, ça fait partie de la même chose. Alors, tant que papa a évoqué le mot Moutouya Awa, il a dit que du point de vue moral, Moutouya Ozali jugé parti, tu ne peux pas organiser une telle élection. L'ongo est en place où on a ça, Moutoumoussous a organisé. Ça, c'est d'abord le premier élément. Dédé, on a invalidé des candidatures sur base de critères qui n'existaient pas. Et ils se disent, Bazali, majorité, union sacrée. Mais si vous avez majorité, pourquoi vous avez peur des candidatures? Il faut pour créer des Walobaka, les règles du jeu, ils la poser pour que concurrence soit l'élément. Pourtant, ils ont dirigé bien. Mais l'autre, la pensée unique. Donc, quand on a un bateau sacré, et là, je suis quand on a un union sacré. Maître Zawana, du point de vue du droit, est-ce qu'il peut me dire le soubassement union sacré? Parce que quand on a un commis, il y a un union sacré. Est-ce que l'union sacré est un parti politique? Ou soit est un groupement politique? Maître Zawana, pour répondre à la question. Ah, bah, répondre à la question. Exact. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas selon vous. Qui n'existait pas. Tala nande mukonzi mboka. Je vous donne un autre élément. A qui koya baba député na cité de l'Union africaine kuna. A yamba ki bako na qualité ni. Et à cause de ça non, il faut voter ticket union sacrée. Vous voyez que non, nous sortons totalement du cadre légal. Ya on a vu que non, nous assistons mon cher ami, je sais, de la dictature fatienne. Retenez ça, Yassika. N'avez-vous pas le concept? La dictature fatienne. Ah bon? N'avez-vous pas mon cher ami? Parce c'est, que c'est acté. C'est acté, oui. C'est acté, mon cher ami. Et aussi, la vie se passe. N'avez-vous pas le papa? J'ai beaucoup aimé votre raisonnement, papa. Parce que vous faites rêver. Bonjour, la Ksabiso, les vraies réalités en boca. Parce que le lot. Démocratie n'a aucun problème, c'est idéal. Mais candidat à Jean-Marc Chaboun de candidature n'est-ce que vous dérange pas? Non, Jacques Gouyane, je n'ai pas fini. Les gens n'ont pas la code, il y a un autre. Parce que, tant que déjà, je chute, tant que déjà, l'Assemblée plénière a désavoué Ndeko Jean-Marc Chaboun pour une incompétence notoire. Les engagés. Incompétence notoire, mon cher. Mais tu vas avoir la. Mais bien sûr. Mais parce que ma boya, oui, mais à l'époque, ma présentante, une dame, madame Soki, elle a été diabolisée. Oui. Par Jean-Marc Kabou. Oui. Vous voyez, je ne connais pas. Moi, je connais le gars. Vous voyez. Il était calme, aujourd'hui, il est agité. Vous voyez ce qui représente l'Union sacrée, mon cher ami. Et c'est grave, si on a beaucoup qui se veut démocratique. Moi, j'aime bien. Mais maître Bamané, le mot très important. Bon, c'est quand ce qui a solo par exemple, Babengana qui, jamais. Tout le temps, la solo mais sous. Non, en terre, la vie, surtout ça, promotion est un candidat unique. La candidat, tout ça, la promotion est valeur. Quelqu'un qui a été désavoué, souvent dans les compétences. Bonjour, je vous dis, mon cher ami. Il y a un jour, non, oh, ils ont dit que j'ai beaucoup aimé le langage papa, ils ont dit mascarade politique. D'ailleurs, moi, je vais ajouter, c'est une théâtralisation de la classe, de la vie politique. Et ça passe. Sauf qui, mon cher ami, de cette manière, ton maman. Parce qu'on dit, jurisprudence, ça nous sert pour l'avenir. Bon, ça, on crée la jurisprudence, les lots. Bon, et bah, que ça va vous rattraper tôt ou tard. Les lots. Bon, pour commencer, bah, député, bah, le débat, bah, l'être libre. Mais quand je sais, comment peut-on expliquer un député qui avait été, n'est-ce pas, élu sur base d'un parti, sous la label d'un parti politique, un député qui avait été financé par un parti politique, un député qui a bénéficié le seuil, parce qu'au début, tout le monde a seuil en Ilia. Il y a une élection. A bénéficié d'un seul parti politique. C'est un parti politique. Et les lots,
un électron libre. Donc, à quoi que ça très bien. À quoi que ça si Osa, moi la Maïenne. Oui. Papa Ngendo, papa la Maïenne. Oui. Décoric, moi la Maïenne. Là, c'est pas une plateau, ma casse. Oui. Mais vous voyez, Rita. Oui, mais là, c'est ça, mais s'il vous plaît. Oui. Binomo Bobomi, émission Anélo, Makambalo Bézé, Bélé. Et Bélé. Alors, avec la permission de mon réalisateur et l'assentiment de notre public, je vous retiens encore demain. Le Biboya attend, même plateau. Ok. Na Robin a invité me souhaiter. Bah on va y aller, parce qu'il y a déjà un plateau préparé. Na Ekoribe, ça va m'obaya mercredi. Je vous retiens encore pour demain. Mais s'il vous plaît, papa. Na Ningiboya attend. Oui, merci. Oh, non seulement là, Mubobandi, et l'autre aussi, ça va bien, bien. Lobby. De manière que demain, 10h30, pile. On commence. Et on consomme une heure du temps, 11h30. Le l'autre aussi, au lieu. 3 minutes, mais à l'origine, la ligue n'a son sac et l'eau comme ok. N'a sengi battu à UTPS. N'a lobby boy. En dehors, il y a Jean-Marc Kaboun. Vous êtes un candidat sous terre. Vous avez la question. Voilà, merci, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre que nous devons arrêter l'émission. L'heure s'élève à la télé. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Bonne journée et au revoir. À demain. Merci à vous aussi.